C'est comme toujours avec Bach. Je crois qu'à partir du moment où il prenait sa plume, il avait envie de se dépasser. Il se dépassait, il disait, voilà, il se donnait lui-même un nouveau challenge. Donc chaque suite est un florilège d'invention, d'inventivité, justement au niveau harmonique, dont on a parlé, au niveau rythmique, au niveau instrumental. C'est vraiment incroyable. Bonjour, je vous en prie. Ça arrive au moment pour déblayer le studio. Et oui. Oui, et toi? Hein? Voilà, et attention, on passe en l'air. Ah oui, ça. Ça. Parce que là, avec les pieds, ah ben les pieds, bien sûr. Mais d'abord les capsules. Tu vois? Ah, bien sûr. On appelle ça les capsules. Bah, tu vois? Voilà, tu vois, ça va tout seul. Bravo, j'aurais dû te faire tous les jours. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Bon alors là, oh là. Tiens, je te laisse brancher ça. Mais il n'y a pas de une activité là, c'est ça. T'inquiète pas, tu me laisses faire. T'es sûr que t'as les mains qui sont pas rétrécies depuis hier? Bah, tu sais, on peut les faire grandir, ces mains. Tombe la veste. Quand tu veux pour moi. Finalement, si je regarde en arrière, je me dis voilà, ça fait quand même quelque chose comme 29 ans que ces suites font partie de ma vie. Peut-être même avant en tant qu'auditeur, mais ça fait 29 ans que j'ai commencé à les jouer sur le violoncelle. Et donc voilà, je crois que maintenant, effectivement, elles font partie de moi. Je crois qu'il faut accepter que l'interprétation que moi je vais faire aujourd'hui de ces suites, c'est quelque chose que je vis et je le fais, je les joue ces suites et je les enregistre parce que je vis des choses très très fortes avec cette musique. C'est une musique qui me donne une énergie incroyable au moment de la jouer et après, et même quand je ne les joue pas, il ne se passe pas une journée sans que je ne pense à Bach en général et à ses suites en particulier. Alors pour l'enregistrement de ces suites, nous avions 6 jours, c'est-à-dire une journée par suite. Donc en fait, le calendrier était relativement clair et
on s'est fixé comme objectif de faire évidemment un maximum de filage, ce qu'on appelle un filage, c'est-à-dire enchaîner une suite de la première à la dernière note en situation de concert. Bien sûr, tous les enregistrements des grands maîtres du passé et d'aujourd'hui sont très intimidants pour quelqu'un qui veut aujourd'hui enregistrer des suites. Je ne cache pas que c'est sans doute une des raisons qui m'a amené à attendre quelques années avant de vraiment m'y mettre. Le processus d'enregistrement, c'est un peu comme les rayons X. Vraiment, vous êtes mis complètement plus qu'à nu. Vous devenez transparent. Et là, on voit vraiment, ça va vraiment à l'essence de votre rapport avec une œuvre. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes vraiment totalement familier avec une œuvre ? On est obligé, au moment de l'enregistrement, de conscientiser, de prendre conscience vraiment et de formuler de manière consciente, justement, certains traits d'interprétation qu'on faisait de manière totalement naturelle auparavant et de manière totalement spontanée. Quand on est directeur artistique, on n'a pas forcément sa propre vision de la musique parce qu'on cherche à comprendre ce que veut dire le musicien. Donc c'est mieux, c'est presque mieux finalement d'arriver vierge finalement. Donc on écoute ce que raconte le musicien, on essaie de comprendre et l'aider à le dire. Jean-Guyenne ? Oui, aïe, j'aime pas quand tu dis Jean-Guyenne comme ça. Vas-y. Là tu pensais faire la version forte de ce qu'on vient de faire, c'est ça ? Ouh là là là. Parce qu'en fait, la version qu'on vient de faire, enfin, avant-dernière, elle est moins forte que celle où tu pensais faire pire. D'accord. En tout cas, tu as deux versions différentes. On va dire ça. Elles sont, bon, grosso modo, on ne peut pas dire qu'il y en a une qui soit franchement piano. Ce qui est peut-être frappant chez Jean-Guyenne, c'est son goût pour le changement. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez rare. Il est ouvert à tout, il est très curieux. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours prêt à essayer autre chose, ce qui est une grande qualité. Donc il va répondre tout de suite si j'ai envie d'entendre une petite chose. Donc il faut d'ailleurs faire très attention pour pas que je l'emmène sur des chemins trop loin de sa voix à lui. Donc il est toujours prêt, voilà, à essayer, à changer d'avis. Il change d'avis avec bonne humeur et envie presque. Ça c'est très frappant. J'aimerais bien jouer la sarabande une fois là. Ben, c'est une très bonne idée. Non, je dis rien du tout. Voilà. Voilà, je me tais, quand tu veux. Et ce qui est passionnant aussi à l'enregistrement, c'est de faire ce travail avec ce travail donc d'interprétation et de recherche de l'interprétation avec le directeur artistique, en l'occurrence Cécile Lenoir, qui est vraiment totalement partie prenante de l'interprétation. C'est pour ça que c'est très important de travailler avec quelqu'un en qui on a une totale confiance à tout point de vue. Et là, en l'occurrence, Cécile Lenoir est vraiment une magicienne, je pense, unique en son genre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, évidemment, a toutes les qualités d'ingénieur du son, de toutes les qualités techniques pour la préparation du site, etc. Mais en plus, qui a une véritable vision de l'œuvre et en plus des qualités psychologiques, c'est-à-dire qu'elle va savoir parfois laisser sa propre vision de l'œuvre en retrait pour me laisser vraiment évoluer dans mon interprétation. Parfois, elle va volontairement ne rien dire pendant un moment, me laisser tâtonner, et puis d'entendre, elle sent le moment où il est important qu'elle intervienne et qu'elle me dise « Tiens, tu sais, là, peut-être, tu pourrais aller un peu plus dans cette direction, un peu plus dans celle-là. » Et elle va me donner le petit coup de pouce au moment où il faut. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Voilà.
Ça, c'est bien ça. C'est bien ça aussi, hein. Ok, tu sais quoi? Tu es d'accord? Non, mais je voulais entendre l'esprit, c'est beaucoup mieux. Oui. C'est incomparable. Oui, oui, t'as raison. Non, c'est bon, je l'ai même. Et puis ça. Et puis ça. Ouais, oui. Je trouve ça encore un tout petit peu sec. Un tout petit peu, pas beaucoup. On dit toujours Barthes c'était tout, et c'est vrai que Barthes c'est tout. C'est effectivement cette force compositionnelle absolument éblouissante, et puis cette force de vie qui jaillit et qui est absolument, qui nous prend comme ça au ventre, et puis aussi l'esprit, dans le sens l'espièglerie aussi. Bach avait utilisé l'archet dans ses suites de Bach comme une épée, c'est-à-dire comme quelqu'un qui serait un champion du fleuret, par exemple. C'est-à-dire qu'il adorait comme ça s'amuser avec les coups d'archet, avec la virtuosité de l'archet. Et c'est vrai que ce sont des suites qui sont bien sûr d'une immense virtuosité et aussi d'une inventivité absolument incroyable. Il n'y a pas une mesure où il n'y a pas une invention. C'est la première fois que, voilà, qu'il y avait une telle ambition absolument incroyable d'œuvre pour la sixième suite. Elle dure une demi-heure à elle seule, de grande forme comme ça, avec un seul instrument. Enfin, c'est absolument incroyable. Et c'est ce qui est fascinant, c'est que le premier qui est déclaré « le violoncelle est un grand instrument soliste », ce n'était pas un violoncelliste, c'était Jean-Sébastien Bach.